gloire de Dieu. Ça c'est le gloire de Dieu. Ça c'est le gloire de Dieu. Ça c'est le gloire de Dieu. Ma maladie disparaît. Mais c'est quoi? Ça c'est le gloire de Dieu. Le prophétique est en train de monter, mes frères. Ça c'est le gloire de Dieu. Le sorcier tremble, le magicien tremble, c'est quoi? Aussi, ton problème n'est pas simple, mon frère. Oh. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Tu vois des grains de sable. Dieu a envoyé un ange. Toi, Dieu a envoyé un ange spécialement pour toi. Il est en train d'enlever des grains de sable. Tu vas sentir ça. Il touche ton abdomen. Il est en train d'enlever des grains de sable de l'intérieur de toi. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir ça, tu vois, ça, c'est réel, hein? C'est réel. C'est réel. Je vois un ange qui est en train de tirer des grains de sable de son abdomen. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il y a un ange du Seigneur qui est en train de tirer des grains de sable de son abdomen. Il tire des grains de sable. 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 C'est un prophète. C'est un prophète. Oh là là. C'était lors de la veille organisée avant la retraite spirituelle à Benjerville. L'homme de Dieu avait demandé à ce que tous ceux qui ont la colopathie ou des problèmes gastronomiques et gastrologiques, excusez-moi, se tiennent debout pour qu'on puisse, on puisse prier pour eux. Et je me suis tenu debout. Ce jour-là, il a prié. J'ai senti une visitation. Et j'ai dit que j'avais la guérison, que j'allais faire un examen. Parce qu'on m'avait diagnostiqué une colopathie fonctionnelle et des problèmes intestinaux. Mon intestin s'était agrandi, ils avaient grandi de taille. Et ça faisait que je ne pouvais pas manger normalement, je devais m'opérer même. Mais après cette prière, ça allait parfaitement. Donc il a dit de faire une échographie. Bon, j'ai dit si ça va, il n'y a pas besoin de faire l'échographie. Mais comme il a dit, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait l'échographie. Et chose étonnante, mes intestins ont repris leur taille normale. Ah! Il n'y a plus. Il y a. Voici l'échographie. Oh, attends, viens voir. Fais voir. Où est le responsable de la main médicale? Est-ce qu'elle peut venir vérifier? Tout est normal. La taille de mon foie, tous les problèmes que j'avais, tout est normal. Tout a changé. Tout a disparu. Tout a disparu. Oh, Jésus. Et les médecins, est-ce que c'est le même médecin qui avait fait l'examen? Non, c'est pas le même. Parce que je suis guidé à Daloa. Si tu. Oh, elle a dit retourne chez le premier. Et j'ai dit à celui qui a fait là, je lui ai donné mes papiers. Il dit, mais c'est pas normal. Parce que ce qui a été fait, ça ne peut pas diminuer, c'est pas possible. Ah. Je dis non. Attends. Même le gaz qui était présent dans mes intestins, là, il a disparu totalement. Le médecin dit que c'est pas possible. Oui, concernant mes examens précédents, quand je lui ai montré les papiers, il dit non, c'est pas possible. Il y a des choses que je ne pouvais pas manger, j'ai commencé à manger. Tout s'est passé à merveille de mon alimentation, j'arrivais à manger convenablement, j'avais plus mal au ventre. Grâce donc je me suis dit que, mais là c'est encore, c'est trop grand et je bénis le nom de Dieu pour ça, je le rends gloire pour ce qu'il a Amen. Fait. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.